Elle avait le profil antique. Elle semblait sortie du musée. Elle était tellement sympathique. Je n'ai pas osé l'aborder. Elle était blonde, elle était belle. En somme, elle ne me ressemblait pas. Quand elle m'a invité chez elle, je n'ai jamais compris pourquoi. Elle a mis un peu de musique. Elle m'a offert une tasse de thé. J'ai trouvé ça fort sympathique, car elle n'était pas obligée. C'était une fille, oh madame, admirable. Elle s'est assise là, là, auprès de moi. Elle a fait enlever la table, ça je n'ai jamais compris pourquoi. Puis elle a monté la musique. Elle m'a regardé dans les yeux. Ah, elle m'a dit, toi, dis donc, t'es sympathique. Tout à l'heure, on se comprendra mieux. Tu seras ma petite église, mon petit bon Dieu, etc. Enfin, tout un tas de bêtises. Elle disait n'importe quoi, dans un élan frénétique. Elle s'est enlevée les bas, le pull, la robe, toute la clique. Ça, un vrai truc à attraper froid. À ce moment, voilà qu'on sonne. Elle a été ouvrir comme ça. Et j'ai vu rentrer 10 personnes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà que tous ces gens s'appliquent à rire, à boire, à chanter. Ah, ils étaient tous fort sympathiques, c'est pas la question. Elle aurait pu me présenter, enfin écoutez. Vous, mettez-vous à ma place. J'étais assis là, là, sur le sofa, au beau milieu de toutes ces glaces. Alors ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Au moment de la panne électrique, comme on était tous dans le noir, sans lumière forcément, ce fut la panique. Moi j'en ai profité, je me suis tiré par le couloir. Je suis sorti sans plus de manière, bien décidé à rentrer chez moi. Mais dehors, il y avait de la lumière, dis donc. Je n'ai jamais compris pourquoi, oui, dehors, il y avait de la lumière, ça, je n'ai jamais compris.